Bonjour les amis, les abonnés. Si je vous fais cette petite vidéo informative, c'est pour vous dire que je ne vous ai pas oublié concernant la vidéo de la corruption. Elle est faite, elle est enregistrée dans mon autre téléphone portable. Mais il y a eu un petit souci, comme c'est une vidéo qui dépasse 2 heures, le téléphone portable n'accepte pas de diffuser une vidéo depuis 2 heures, à moins que ça devienne payant pour vous. Ou à moins que j'ai plusieurs abonnés, etc. Enfin, il y a plusieurs conditions générales. Je ne vais pas tout vous énumérer. Je vais la faire courte, là, ma vidéo. C'est juste pour vous dire que j'ai trouvé une tactique pour décortiquer ma vidéo de 2h15, dont je ne veux pas la recommencer, tellement elle est intéressante. Simplement que je vais mettre mode enregistré sur iPhone, enregistrement d'écran. Et je vais la faire en 3 voire 4 parties, mais je pense 4 parties ça sera mieux. Et vous verrez, chaque fois 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes, vous serez tellement pris dans le truc que vous serez heureux. Là, je vous parle depuis mon travail, mais j'ai ma pause jusqu'à 16h30. On la prend un peu plus tard, j'ai un horaire spécial. Donc voilà, je vous oublie pas, j'avais vraiment fait la vidéo jeudi passé parce que j'avais mon anniversaire le mardi, donc j'ai fêté mardi, mercredi. Et cette semaine, je ne vous oublie pas non plus, parce que vous savez que le thème c'est sur le racisme. Ma foi, que j'aurais repris en 45 minutes, voire 1 heure. Ouais, 1 heure, c'est bon, 1 heure. Mais pas 2h15. Elle était longue, celle de la corruption. Mais je n'avais pas le choix. Voilà. Et c'est vrai qu'en la faisant en plusieurs parties, vous allez être beaucoup plus pris dedans. Et moi, en avoir, entre guillemets, marre d'écouter, c'est pas qu'on en a marre. Mais je me suis réécoutée et en sachant que c'est. Parce qu'à chaque fois coupé, ben, ça vous titillera de savoir la suite. Tellement c'est intéressant. Vraiment, un exposé très intéressant. Une vidéo YouTube très intéressante. Qui vous apprendra des choses, qui m'ont appris des choses, qui instruisent des choses que je n'étais pas au courant du tout. Donc je l'ai faite. Hein. Elle est dans mon ordinateur. Je préfère. Ouais, je sais que vous me faites confiance. Mais je préfère vous montrer une preuve. Où est-elle cette coquine? C'est pour ça que je vous fais cette petite vidéo, parce que vous devez vous dire oui, mais elle a promis de faire chaque semaine. Et ben ça commence déjà bien, parce que la deuxième semaine, ben voilà, il n'y a pas la vidéo sur la corruption. Je vous comprends tout à fait. Donc c'était jeudi à 22h45. Ça fait flou, hein? Jeudi 22h45. Et elle dure. Attendez, il faut que je fasse. C'est qu'iPhone, c'est compliqué. Bah écoutez, je vais pas dessus. Elle dure 2h22. Ah, je me suis trompée. Elle dure 2h22. Voilà. Quant au reste des photos que vous auriez pu voir, je vous remercie de votre confidentialité, car j'ai confiance en vous, mes abonnés. Très chers abonnés que j'apprécie tant. Merci beaucoup et voilà, ne vous inquiétez pas, je ne vous abandonne pas. Tous les sujets prévus vont continuer et être suivis à la lettre. Avec 1 ou 2 jours d'écart, comme je vous ai dit, ou si je suis malade, ben, je vous fais une information en étant malade. Je ferai l'effort de parler devant la caméra, devant les projecteurs, comme je dis, en étant malade. Voilà. Donc là, j'envoie sur YouTube cette vidéo pour vous avertir que je ne vous ai pas fait faux bond et que la vidéo sur la corruption existe bel et bien, mais que je dois la décortiquer en 3 ou 4 parties, je pense 4 parties. Et quand vous aurez fini une partie, vous vous direz: ouh, mais ça me titille de voir la partie 2, ouh, mais ça me titille de voir la partie 3, ouh, mais ça me titille de voir la partie 4. 4 parties suffit amplement. Voilà, mes amis, mes abonnés, désolé pour ces désagréments dont je n'étais même pas au courant. Et je sais que c'est des vidéos longues, c'était une vidéo longue, pardon. Mais moi, je savais pas que YouTube bloquait au bout d'une heure, je sais pas combien de minutes. Il faudrait aller lire les conditions générales. Mais ça dépend tout du YouTubeur. Combien il a d'abonnés, combien de temps il est sur YouTube à faire des vidéos, combien de vidéos il sort par semaine. Il y a plein de facteurs qui font foi. Après, il laisse peut-être une vidéo de 4 heures de temps, comme le gaming. Mais comme je suis encore un peu débutante, voilà. Donc, je vous remercie de votre compréhension et. On vous fait un gros bisou à tous, je vous adore et je vous oublie pas. Allez, affectueusement, votre youtubeuse Sandrine, qui vous oublie pas. Et faites-moi confiance, merci.